Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Tirreno Adriatico. On va revenir un petit peu sur cette course, le palmarès, un peu l'historique de cette épreuve également. Et puis, on parlera du programme télé, du parcours, bien entendu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire... qui vous voyez comme favori, grosse cote, coureur à suivre sur cette semaine entre les sprinteurs, les coureurs du général. Vous pouvez aller voir également les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions, des grandes épreuves. Il y a des shorts sur la Formule 1, sur le biathlon, sur le cyclisme. Vous avez également les TikTok qui sont différents des shorts. C'est pas toujours la même vidéo, je dis pas toujours la même chose dans les deux vidéos. Vous pouvez vous abonner également sur TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite. La petite cloche également. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et les différentes playlists. Du côté de Tirreno Adriatico, alors je ne sais pas encore si je ferai un débrief par soir. Je vais essayer de le faire, mais vous savez qu'à chaque fois, j'ai du mal avec Tirreno Adriatico. Parce que bah, ça se déroule quand même quasiment en même temps que Paris-Nice. Mais là, je suis motivé cette année pour le faire. Mais j'étais déjà motivé l'année dernière et je n'ai pas réussi à le faire. Donc peut-être que cette année, ça va être plus simple. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire un débrief tous les soirs des étapes de Tirreno Adriatico comme des étapes de Paris-Nice. Version italienne de Paris, au départ, Tirreno Adriatico, il faut savoir que ça a été inventé pour créer une course en concurrence avec Paris-Nice, mais surtout une course qui permettait de préparer Milan-San Remo, parce que vous savez que après Tirreno Adriatico, c'est Milan-San Remo, surtout qu'à une époque, moi j'ai connu le Tirreno Adriatico qui commençait un mercredi, qui se finissait un mardi, et le samedi d'après, c'était Milan-San Remo. Donc, il y avait très peu de jours de pause. Maintenant, c'est un peu différent parce que Tirreno commence un lundi, finit un dimanche. Et vous avez Milan-Turin. Et ensuite, vous avez Milan-San Remo sur la suite de la semaine. C'est la version donc, italienne de Paris-Nice. Cette année, on a même des listes de départ assez équilibrées entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, on a Remco Evenepoel. Et on a Vingegaard également de l'autre, Juan Ayuso. Voilà, on a plutôt équilibré les leaders. On a Félix Gall d'un côté, de l'autre côté, bon, j'irais qu'on a, on a du Vauclin. On a essayé d'un peu d'équilibrer les choses entre les coureurs français, parce que des fois, on avait très peu de coureurs français au départ de Tirreno. Là, il y a quand même pas mal de coureurs français aussi. Et les listes de départ sont plutôt bien équilibrées, parce que aussi maintenant, il y a le Tour de Catalogne. Certains coureurs préfèrent aller en Catalogne, donc un peu plus tard au mois de mars, sur les programmations de saison. Donc voilà, c'est toujours un petit peu particulier. On a des coureurs qui préfèrent aller à Tirreno par rapport à Paris-Nice. Je dirais que Tirreno, c'est plutôt intéressant pour les coureurs qui sont pas très bons sur les coups de bordure et pour les coureurs qui aiment pas trop la pluie et le froid, il faut bien le dire. Je pense que cette année également, ce qui a joué sur le fait de choisir Tirreno ou de choisir Paris-Nice, c'est le contre-la-montre par équipe. À l'aise, pas à l'aise sur le chrono par équipe, ça faisait un choix parce que le chrono individuel, là, il va y en avoir que 10 km. Donc 10 km, bon, tu perds pas non plus 3 minutes quoi, sur 10 km. Sur le chrono par équipe, ça a dû faire réfléchir certains de se dire « Est-ce que je me lance sur le chrono par équipe ? J'ai peut-être pas l'équipe la plus forte, alors qu'en chrono individuel, je suis pas mal. » Donc ça a peut-être permis de réfléchir là-dessus. Puis après, on a aussi des demandes de sponsors. Hein. C'est vrai qu'en France, c'est compliqué pour le leader numéro 1 de pas aller sur Paris-Nice. Qui est l'une des trois courses importantes de ASO au niveau course par étape avec le Dauphiné et le Tour de France. Mais pour moi, c'est la deuxième la plus importante après le Tour de France. Parce que maintenant, sur le Dauphiné, des fois, hein, on n'a plus beaucoup de coureurs importants qui vont sur le Dauphiné. C'est toujours une course intéressante à suivre parce qu'il y a moins ce côté « on peut tout perdre dès les premiers jours de course ». C'est-à-dire que sur Paris-Nice, un peu moins cette année, mais il y a quand même eu des années où tu avais 3 jours de plat dans la Beauce et dans des coins à découvert. Et là, tu te disais, très clairement, le mardi, tu peux avoir perdu ton Paris-Nice et après, le reste de la semaine, ça change ta course. Sur Tirreno, c'est plus rare les coups de bordure. Il y en a eu sur Tirreno, mais c'est quand même un petit peu plus rare. C'est un peu moins dangereux de ce côté-là. Même si c'est toujours compliqué hein, de suivre les deux, parce qu'au niveau des horaires, hein, les deux finissent à des horaires assez proches, il y a à peu près une demi-heure d'écart entre l'arrivée d'une étape de Tirreno et l'arrivée d'une étape de Paris-Nice. Donc c'est toujours un petit peu le bordel au niveau organisation. Moi, ça ne me gêne pas que ces deux courses-là se chevauchent, en gros,
mais j'aimerais que les horaires soient décalés. C'est ça mon gros problème. C'est-à-dire, j'aimerais qu'il y ait une course qui s'arrête plutôt vers 15h30 et une course qui s'arrête plutôt vers 17h15, 17h20. Comme ça, on peut quand même voir beaucoup des deux courses. Là, aujourd'hui, c'est un peu le souci, c'est que les deux courses s'arrêtent en même temps. Et encore, ils ont un peu amélioré les choses. Parce que moi, j'ai souvent un moment d'une époque où les deux étapes se finissaient quasiment à la même heure. Là, il y a maintenant, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure de débattement. Mais ça reste trop léger, hein. Surtout si, par exemple, sur Tirreno, eh ben, on n'est pas rapide sur les horaires de départ ou on est très rapide sur Paris-Nice, bah, là, tu n'as plus qu'un quart d'heure, 20 minutes entre l'arrivée des deux courses. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite la carte de cette édition 2024 de Tirreno Adriatico. Début de parcours, comme d'habitude, à Lido di Camiore, arrivé à San Benedetto del Tronto. On part de la mer. De la mer donc de Tirreno, donc la mer tyrrhénéenne, je crois, vers la mer Adriatique, parce qu'en français on appelle ça la Méditerranée, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc on part de Lido di Camiore, première journée plutôt calme, et puis ensuite ça se complique, notamment avec le passage vers le Monte Petrano avant cette dernière étape vers San Benedetto del Tronto. On regarde tout de suite la première étape à Lido di Camiore, contre la montre comme d'habitude, 10 petits kilomètres. Donc très court ce contre la montre désormais. Et tout plat, hein. C'est je crois qu'il y a 5 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc c'est quasiment rien pour cette première journée. Pas grand chose à dire, c'est un chrono individuel classique. Le deuxième jour, étape plutôt pour sprinter, entre Camiore et Follonica. 200 km, ça c'est aussi la particularité de Tirreno Adriatico, des longues journées la plupart du temps, avec un début de journée vers Montegnaggio, vers Montegnaggio, pardon, 2,6 km à 4,8 de moyenne, on redescend assez vite, le long de la mer. Pas vrai, on sera le long de la mer sur cette étape, mais on sera au niveau de la mer, je vais y arriver, avec le passage vers Castellina Marittima, 11,7 km, mais à 3% de moyenne. Et puis une dernière bosse à Caneto qui sera sprint intermédiaire, 4,1 km à 4% de moyenne. Arrivé à Follonica, on devrait avoir un sprint sur cette étape numéro 2. Sur l'étape numéro 3, on part de Volterra pour aller à Gualdo Tadino. Étape vallonnée quand même, hein, c'est-à-dire que c'est mal plat, voilà, c'est le terme qu'il faut utiliser pour cette journée. Il y aura quand même 2693 mètres de dénivelé positif, pas de grande bosse, mais bon, ça sera toujours en prise, voilà, pendant cette journée. On traversera le centre de l'Italie, donc une journée pas si évidente que ça. Le lendemain, étape avec un dénivelé positif assez proche, on sera à 2800 mètres. Mais pourtant, on devrait plutôt avoir un sprint, 208 km également. On part de Arone pour aller à Giulianova avec le Valico di Castelluccio. 16,9 km à 5% de moyenne, c'est une montée qui est très longue. On arrivera à 1533 mètres d'altitude en haut de cette petite bosse au kilomètre 83,5. Sauf qu'ensuite, eh bien, les 120 derniers kilomètres sont en descente ou quasiment plat, à part le sprint intermédiaire qui sera au niveau d'une petite bosse, donc une journée qui devrait plutôt être tranquille pour les coureurs. Après, on verra si les sprinteurs arriveront à passer, hein, cette bosse et surtout à revenir dans le peloton, ce qui pourra animer la fin de journée. La journée suivante, eh bien, c'est le début des hostilités avec cette étape entre Troicella, Sicura et Valle Castellana. Pas forcément une arrivée au sommet à Valle Castellana, mais une étape où on aura quand même 3000 mètres de dénivelé positif, avec notamment deux bosses au programme, le Castellato, 7,8 km à 4,5% de moyenne, c'est 2,55 km, c'est-à-dire à moins de 100 km de l'arrivée, parce qu'étape très courte de 144 km, et puis surtout la montée de San Giacomo, 11,9 km à 6,2 de moyenne, au montée hors catégorie, ce qui est déjà annoncé, 1156 mètres de dénivelé positif, et surtout 24 km encore à parcourir après l'arrivée, dont une bonne dizaine de kilomètres en faux plat montant. Et ça va peut-être faire des écarts supplémentaires, c'est-à-dire que si vous êtes lâché en haut du San Giacomo, ça va peut-être être compliqué de revenir à Valle Castellana, et l'écart ne va faire que grandir ensuite
pour cette journée. Donc, ça peut être une étape où on perd déjà beaucoup de temps avant l'étape reine du samedi. Étape qui nous emmènera de Sasso Ferrato vers Cagli, le Monte Petrano, 180 km. Il y aura deux autres côtes au programme, la Forchetta, 3,2 km à 7,3 de moyenne, 1,67 km. Et puis la montée vers Moria, 2,4 km à 8,5 de moyenne, ça sera au kilomètre 154, avec également un sprint intermédiaire en haut d'une petite bosse de 7 km à 5% de moyenne, le Monte Petrano, 10 km, 8% de moyenne, montée hors catégorie. C'est très compliqué, mais assez court quand même, mais il y a de la pente. C'est ça la particularité du Monte Petrano. Ça ne dure pas 20 bornes, mais il y a beaucoup de pente. Comme vous voyez, la moyenne est à 8%. C'est-à-dire qu'on aura des passages largement au-delà de 10% sur cette montée. Et puis on termine avec l'étape assez classique de San Benedetto del Tronto, avec une première partie, une première moitié de course qui sera assez vallonnée, avec des petites bosses, un début d'étape mal plat, et puis ensuite le final vers San Benedetto del Tronto, où là c'est tout plat, un parcours assez technique quand même, hein, dans le dernier kilomètre, et demi. Il faut faire attention toujours à San Benedetto del Tronto. On passe tout de suite à la météo. La météo, les conditions sur cette semaine de compétition. Alors, on aura un grand soleil entre mercredi et vendredi. Sinon, le temps sera beaucoup plus mitigé avec un peu de pluie, notamment, même pas mal de pluie sur le dernier week-end. Dimanche, il ne devrait pas faire très beau. Voilà, tout simplement, sur Tirreno Adriatico. Autour de San Benedetto del Tronto, il devrait faire humide, il faudra faire attention sur le circuit final à San Benedetto del Tronto. Sinon, oui, un peu de pluie également en début de semaine, il faudra faire attention. Mais entre mercredi et vendredi, là, il y aura un beau soleil. Température, vraiment 10 pour les journées, la journée la plus fraîche, sinon on sera autour entre 13 et 16 degrés, voire peut-être un petit peu plus, donc des températures tout à fait agréables, pardon. Pour les coureurs, on regarde le palmarès de cette épreuve qui existe depuis quand même pas mal d'années. Hein. Je crois que c'est 1966. À l'époque, Dino Zandegu s'était imposé l'Italien devant Vito Tacone et Rolf Maurer. Pendant très longtemps, c'est vrai que c'était plutôt une épreuve avec beaucoup d'Italiens. C'était moins international parfois que le Tour de Paris-Nice, pardon. Même si on a eu des vainqueurs belges, notamment dans les années 70, avec Roger de Vlaeminck entre 72, 73, 74, 75, 76, 77 pour Roger de Vlaeminck, notamment devant Eddy Merckx en 76, par exemple. Hein, donc c'était vraiment le mec qui dominait cette épreuve-là. On a eu bien entendu Moser en 80-81, Giuseppe Saroni en 82 et 78. Tony Rominger, 89-90. On a eu une génération, pas mal de coureurs italiens se sont imposés sur cette épreuve, qui a assez peu souri aux Français. Il n'y a que des podiums de Charlie Mottet et Gilles Delion, 90-91, et Thibaut Pinot en 2017. Parmi les années 90-2000, eh bien, on a Casagrande qui s'est imposé en 96, Bartoli en 99, Rebellini en 2001, victoire de Bettini en 2004, de Pozzato en 2003, Oscar Freire s'était imposé devant Petacchi, une année qui n'avait pas été très difficile en termes de montagne. On a eu également Cancellara en 2008 devant Gasparotto cette année-là. Et puis les derniers vainqueurs, eh bien on a Vincenzo Nibali en 2012-2013, Contador en 2014, Quintana en 2015, Van Avermaet en 2016 devant Sagan et Bob Jungels, Quintana en 2017 devant Juan Denis et Thibaut Pinot, Kwiatkowski en 2018 devant Caruso et Geraint Thomas, Roglic devant Adam Yates et Fuglsang, Yates devant Thomas et Maika, double vainqueur Pogacar en 2021-2022 devant Van Aert et devant Vingegaard, et en 2023 c'était de nouveau Roglic qui s'était imposé pour la deuxième fois devant Almeida et Tao Gegenhardt. Il avait bien géré les arrivées au sprint Primoz Roglic l'année dernière. On regarde les équipes présentes au départ, du côté des formations au départ. Alors, il faut savoir que toute la liste de départ n'est pas encore pleine. J'ai attendu le dernier moment, vraiment, quasiment pour faire la vidéo, mais là, je ne pouvais plus attendre. Donc, c'est encore une liste de départ qui n'est pas définitive.
Du côté des équipes, donc on a Ineos qui vient avec Ghana Pidcock et Arensman. On a Movistar qui vient avec Henrik Maas ou encore Ivan Sosa et Lorenzo Milesi. Du côté d'Intermarché, on vient avec Guirmey et Rune Erregaard avec Lorenz Rex également qu'on a vu sur les classiques belges, très performant. Du côté de la Cofidis, Axel Zinglet avec Agnolowski et Guillaume Martin. Du côté d'Alpecin de Koninck, on a Jasper Philipsen avec Jenny Mermelch. Du côté de Astana, pour le moment, j'ai Marc Cavendish et Garofoli. Du côté de la Lidl Trek, vous avez Jonathan Bilan, Tao Gegenhardt et Simone Consoni. Du côté de la UAE, on a Juan Ayuso, Marc Hirschi ou encore Isaac Del Toro. Du côté de la Visma Lease Bike, on a Vingegaard, Uytebroek ou encore Dylan Van Baarle avec Attila Walter également. Du côté de la Jayco Alula, Simon Yates avec Filippo Zana et surtout Caleb Ewan. Du côté de la DSM, on a Casper Van Duden avec Kevin Vermarke et Romain Bardet aussi au départ, qui vient d'arriver sur la liste de départ hein, il y a 35 minutes, après que j'ai bien entendu écrit. Du côté de la Bahreïn, il y a Bauhaus avec Wout Poels. Du côté de la Groupama, on a pour le moment Romain Grégoire et Germany. Deux coureurs sont peut-être annoncés dans la journée. Du côté de la Soudal Quickstep, Tim Merlier avec Julien Lafilippe. On espère qu'il ne tombera pas. Du côté de F Education Easy, Post Carapace, Bétiol, Benelli. Du côté de la Decathlon, on aura Ben O'Connor avec également Bastien Tronchon et Prodome. Du côté de la Bora Hansgrohe, Jane Lay sera au départ avec Daniel Felipe Martinez. Du côté de l'Arkea, Kevin Vauclin avec également Amaury Capiot. Du côté de Tudor, Pietre Le Kelemen avec Dainese et Merhofer. Du côté d'Israël, on aura Simon Clark, Chris Froome ou encore Tom Van Asbroek avec Ethan Vermon. Du côté de la Coratec, on a pour le moment Sbaragli et Bonifazio. La Q36.5 n'a pas encore annoncé ses coureurs, comme la Bardiani, comme quasiment la Polti Cometa, parce que pour l'instant, j'ai que Davide Piganzoli. Du côté de la Uno X, Kurt Nielsen et avec Christophe et Lek Nessun sur cette épreuve. On regarde tout de suite mes favoris. Donc encore une fois, la liste de départ, c'est celle de 10h. Nous sommes le 3 mars. Donc forcément, il y a des coureurs qui vont être annoncés plus tard, donc ça peut modifier forcément les favoris. Du côté du général, j'ai mis bien entendu Vingegaard. Je pense qu'il va y avoir un match Vingegaard-Ayuso, déjà parce qu'il n'y a quand même pas 150 km de contre-la-montre, et qu'on voit qu'Ayuso est quand même en grande condition physique, on l'a vu sur l'Ardèche et la Drôme classique, donc face à Vingegaard, qui parfois s'est raté à cette période de l'année, parce qu'on se souvient que l'année dernière sur Paris-Nice, ça avait été compliqué, et surtout sur Paris-Nice, on voit qu'il n'a pas voulu refaire Paris-Nice cette année. Hein. Il est reparti sur Tirreno parce que Paris-Nice, ça ne lui avait pas vraiment réussi. Donc face à Juan Ayuso, et ce match-là pour moi va être arbitré par deux autres coureurs. Daniel Felipe Martinez, très gros début de saison, notamment sur le Tour de l'Algarve. Je n'avais pas vu, il était tombé hein, sur l'Estrade Bianche parce que je l'avais mis en flop. Il est tombé sur l'Estrade Bianche, je n'avais pas vu la chute avec Carapaz. Et puis Ben O'Connor, très bon sur l'UAE Tour, qui avait gagné également en Espagne. Donc c'est un match, je pense, qui va être arbitré par ces coureurs-là. Les coureurs à suivre, pour moi, sur cette semaine. Alors bon, il y a Romain Bardet que je rajoute, mais il y a surtout Kevin Vauclin, le Français, sur une épreuve d'un haut niveau. On va voir ce que ça va donner. Carapaz, également. L'année dernière, à cette période-là de l'année, c'était compliqué, Carapaz. Donc on va voir s'il va mieux s'en sortir. Et puis, bien entendu, Henrik Maas. Enfin moi je l'ai pas vu Henrik Maas jusqu'à maintenant, je crois. Ah si, ou je l'ai vu à Valence, je sais plus s'il était à Valence Henrik Maas, il était peut-être à Valence. Non il avait pas encore repris, donc c'est son ça va être les premiers jours de course pour Henrik Maas, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Et puis Simon Yates également, lui on l'a vu en Australie, Simon Yates notamment, donc on va voir là aussi ce que ça va donner. Pour le Britannique, il était également sur le Alula Tour, 7e du Tour de Nander, vainqueur du Alula Tour cette année, remportant l'étape de Arat Ouverid dans un petit groupe de 4, pour ceux qui s'en souviennent. Du côté des favoris pour le sprint, bien entendu, le dominateur de l'UAE Tour, c'est Tim Merlier. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de la Soudal Quickstep. Surtout que même si on emmène Alaphilippe et Masnada, bon, la majorité de l'équipe sera là, je pense, pour aider Tim Merlier. Mais on sait que Julien Alaphilippe aide souvent les sprinteurs. Du côté des autres favoris, Philipsen également, le Belge.
qui a repris, pas par les courses les plus faciles de l'année, en Belgique, hein, elle a repris par le Het Nieuwsblad et Kuurn, donc ça a été compliqué sur ces deux épreuves-là, mais c'était des épreuves difficiles pour remettre la machine en route, donc là on va voir comment ça va se passer sur Tirreno, et puis il y aura Jonathan Milan, également le sprinter de la Lidl Trek, qui était plutôt en forme, notamment sur le tour de la communauté de Valence. Les coureurs à suivre, j'ai mis Binyam Girmay, l'année dernière ça s'était plutôt bien passé pour lui sur cette épreuve, il a quand même gagné en Australie aussi. Caleb Ewan, qui est en difficulté en Australie, malade, et donc avait du mal au niveau du sprint. Donc on va voir si là ça va mieux aller pour Caleb Ewan. Et puis Casper Van Uden, c'était pas très bien réglé hein, sur les épreuves qu'il a réalisées la dernière fois. Il avait du mal à se caler au niveau du sprint, Casper Van Uden, avec une équipe qui va pas être complètement à son service. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, parce que sur le tour de l'Algarve, c'était difficile pour le coureur néerlandais, donc je m'attends à un peu mieux. Voilà, dans une équipe où encore une fois, il y aura Romain Bardet, et puis le petit Vermarque qui a été très bon en ce début de saison. Du côté des horaires, le programme télé, ça sera sur Eurosport 2, entre 13h et 15h45, tous les jours. Donc avant Paris-Nice, hein, normalement, ils ne chevauchent pas les deux antennes. Donc ça sera de lundi à vendredi, puis samedi et dimanche, 15h15. Donc là, ça sera après Paris-Nice, encore une fois, sur Eurosport 2 pour cette épreuve. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mérique Production. Ciao, ciao!